Nous, on est très contents de l'arrivée de Simon, que l'on a suivi particulièrement pour deux choses, parce que c'est un joueur qui avait été recruté par Seraing, comme vous le savez, et qui avait eu pas mal de problèmes là-bas. Il n'a pas pu exprimer ce qu'il a voulu exprimer, et que son prêt à Laval lui a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai été étonnamment surpris de notre confrontation quand on a joué contre Laval ici. Ce numéro 14 nous avait fait beaucoup de mal pendant tout le match. Je me rappelle bien du numéro et j'étais très content quand il est sorti à un quart d'heure de la fin à peu près. Non, 10 minutes. 10 minutes de la fin. Et après, on l'a suivi sur chaque match. Sur chaque match, on a pris beaucoup de renseignements sur le joueur, sur la mentalité, parce que ça va être un élément très important pour nous cette saison. J'ai déjà dit, je pense que la notion de groupe qui a fait notre force l'année dernière et qui nous a permis de faire une fin de saison, allez, fantastique, va être un élément déterminant pour faire une bonne saison en Ligue 1. Voilà, donc c'est un joueur qui a fait une très très bonne demi-saison à Laval et qui, j'espère, pourra montrer toutes ses qualités en Ligue 1. Ça s'explique pas. Quand je suis arrivé à Seraing, j'étais pas les choses ne m'ont pas réussi directement, donc ça s'est pas très bien passé. Après, c'est le contexte qui voulait ça, donc j'ai préféré revenir en France, dans un championnat que je connaissais un petit peu, parce que j'étais passé par Ajaccio, j'avais joué quelques matchs, donc je connaissais un peu le championnat. Et je suis arrivé à Laval, ils m'ont donné beaucoup de confiance. J'ai joué directement, j'ai fait deux entraînements et j'ai joué. Donc je me suis mis dans le bain rapidement et après, avec la confiance, ça s'est super bien passé. Ah, c'est tout nouveau pour moi, les infrastructures comme ça, c'est très bien pour un footballeur. Ça donne envie de bosser encore plus parce qu'il y a tout. Les salles de muscu, les terrains, pour la récup, hein, il y a tout quoi. Donc c'est sûr que quand on arrive ici, on est très très content quoi. Non, c'est sûr, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de tout donner parce que on sait que la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2, il faut bosser dur pour pouvoir être performant direct. Ouais, très bien, ça s'est bien passé, on a gagné, donc c'était le but, on a bien couru. Donc c'était un premier match, j'ai trouvé très correct. Bah, disons que c'était facilité par le fait qu'il était à Seraing, que voilà, sans prendre contact personnellement avec le joueur, nous on l'a suivi. Je me rappelle même que le lendemain du match de Laval, j'avais demandé à Philippe Gillis, qui est le directeur de Seraing, de m'envoyer le contrat et surtout la clause pour voir un peu comment ça allait se passer. Et puis après, c'est un match, mais c'est vrai qu'il restait encore beaucoup, beaucoup de journées pour nous permettre de le voir, et on a continué à le voir. Voilà, je pense que c'est un joueur qui doit encore avoir une progression pour la Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est sûrement un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus, évidemment. Donc voilà, mais ça fait partie des joueurs qui ont un potentiel, en tout cas, pour y arriver. Oh, bien faire une grosse prépa, me mettre bien en confiance et être performant dès le début de la saison. Faire une bonne saison. Mon jeu dos au but, ma percussion balle au pied, je fais des bonnes passes aussi, passes D, marquer des buts, mon jeu de tête aussi. Ouais, voilà, un peu, c'est un peu mes qualités, quoi. Non, du tout, du tout. J'ai toujours su m'adapter chaque fois que je suis monté de niveau, donc non, ça me fait pas peur, sinon je serais pas venu. Maintenant, je sais qu'il faut travailler beaucoup plus dur pour pouvoir faire des grosses performances. Donc c'est ce que je vais faire et je suis prêt à bosser.
FC Metz, gros club, c'est un gros nom, un gros club. Enfin, c'est un club connu dans l'histoire de la France, donc du championnat français. Donc, c'est sûr que c'est toujours plaisant de signer au FC Metz. Ouais, déjà quand on avait joué avec Laval, il y avait quand même pas mal de monde, c'était bien. Mais là, quand on monte, enfin, là, avec la montée en Ligue 1, ça va être, je pense, beaucoup plus d'engouement. Donc, c'est sûr que ça, c'est pour un joueur, c'est très très bien de venir au stade et voir tous ses supporters pour nous aider. Non, super, j'ai été bien accueilli. Après, c'est à moi de m'adapter à eux. Donc j'essaye de faire au mieux, d'aller voir les gens, leur parler, apprendre à les connaître. Et après, sur le terrain, ça se fera automatiquement.